Il y a un problème là. C'est la première fois depuis. Depuis le début. Ah voilà, c'est bon. Voilà, il connaît. Il y a tout le temps de la musique. On n'a pas fait nos lits et tout là. Tac, 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 tac. Petit à petit on rentre dans la finale, étape par étape, on commence par mettre le dossard, ensuite on prépare ses pointes, on prépare son sac, le short, et les vêtements, parce que normalement il va pas pleuvoir aujourd'hui, mais bon, on sait jamais. Rien oublier, c'est important. C'est mieux. Tout le monde a le même discours, c'est juste un stade magnifique, une ambiance magnifique. Donc j'espère une finale magnifique. Non, c'est un vrai public qui s'appelle. Ouais, c'est un vrai public qui vient pour ça. Ils connaissent, ils soutiennent, ils poussent. Tout ce qu'on aime dans le triple saut. J'écoute beaucoup de musique, surtout à l'échauffement, dans la journée en général. Je pense que les athlètes, en général, ils écoutent tous beaucoup de musique, et ouais, c'est une source de motivation, c'est pour se mettre dans sa bulle, c'est pour se concentrer et rentrer au mieux dans la compétition. J'ai fait des petites erreurs techniques dans le concours de qualif, donc je sais sur quoi je dois me concentrer pour faire encore mieux en finale, mais sinon ouais, très bonne sensation sur la piste, des bonnes sensations de saut, je me sens en forme, je me sens bien. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à sauter. Plus qu'à sauter loin. À ce soir, 21h20 sur France Télévisions.